Les crocodiles sont une famille de grands reptiles carnivores aux pattes courtes, aux mâchoires très longues. Les crocodiles vivent dans les régions chaudes. Toutes les espèces fréquentent les eaux douces, même le crocodile marin, en particulier durant les saisons tropicales humides. Ils vivent immergés dans des cours d'eau stagnantes où ils passent leur journée à guetter leur proie. Ils peuvent rester 50 minutes sous l'eau, soit assez de temps pour préparer des embuscades. Ils sont très agiles dans l'eau, mais plutôt maladroits sur la terre ferme, bien qu'ils puissent courir assez rapidement. Les crocodiles sont parfaitement adaptés à la vie aquatique. Leurs poumons peuvent se déplacer vers l'avant ou l'arrière de leur corps. Cette capacité leur permet de garder leur tête au-dessous de l'eau et leur corps immergé, complètement caché dans les marécages boueux. Leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines sont placés très haut sur le crâne, ce qui leur permet de voir, de respirer et d'entendre ce qui se passe aux alentours alors qu'ils passent inaperçus auprès de leur proie. Certains crocodiles sont parmi les plus grands reptiles. Le crocodile marin et le crocodile du Nil atteignent ou dépassent 6 mètres de long. Ils se nourrissent d'animaux qui viennent boire à la rivière, les capturent grâce à leur puissante mâchoire et les entraînent au fond de l'eau afin de les noyer. Leur mâchoire peut développer une force de plus de 2200 kg. Ils ont plusieurs paires de muscles qui leur permettent d'engendrer ce mécanisme mortel. Une paire de muscles situés à l'arrière de la tête leur permet de produire la force nécessaire pour surgir de l'eau et surprendre leur proie à l'aide d'une morsure fatale et deux paires de muscles situés aux extrémités de leur mâchoire pour empêcher leur crâne de se fracasser. Ces deux paires de muscles absorbent une partie de la force produite. Puis le crocodile déchiquette et lacère sa proie avec de brusques mouvements de tête et en tournant sur lui-même. À force de rentrer et de sortir hors de l'eau, la proie se noie malgré ses efforts. Le crocodile, lui, possède une valve qui s'ouvre et se ferme au fond de sa gueule. Celle-ci lui permet d'éviter de se noyer avec sa proie. Les crocodiles du Nil ne s'alimentent plus si la température est inférieure à 15,7 degrés Celsius et ils ne sont plus capables de nager si la température est inférieure à 7,6 degrés Celsius. L'espérance de vie d'un crocodile peut atteindre 100 ans. Les différentes espèces de crocodiles présentent un dimorphisme sexuel, les mâles grandissant plus vite et étant plus imposants que les femelles. La taille des crocodiles diffère aussi selon les espèces. La plus petite est le crocodile nain, mesurant à l'âge adulte entre 1,5 et 2 mètres, alors que le crocodile marin peut dépasser 6 mètres. Le crocodile est un animal qui pratique régulièrement la plongée pour chasser et reste également en immersion pour sa digestion. Le système cardiovasculaire du crocodile est constitué de deux ventricules, deux oreillettes et deux aortes qui permettent de transporter le sang oxygéné et le sang désoxygéné. Le crocodile possède une structure particulière de son système cardiovasculaire, une petite ouverture qui permet la communication entre les deux aortes, le foramen de Panizza. Cette structure permet de rediriger le sang riche en dioxyde de carbone, CO2, provenant du ventricule droit vers la circulation systémique qui alimente les organes. À la surface, les deux aortes sont remplies de sang oxygéné grâce au foramen qui permet leur communication. L'apport en oxygène est donc maximal. Lorsque le crocodile est immergé,
Une valve bloque l'alimentation en oxygène des poumons, ce qui provoque le passage du sang désoxygéné dans les aortes par le biais du foramen. Cette particularité permet de favoriser la digestion. Cette particularité est une adaptation du système cardiovasculaire des crocodiles pour un régime alimentaire constitué de proies imposantes et longues à digérer. À l'époque de la reproduction, les femelles creusent un trou au bord de la rivière pour y pondre leurs œufs. Elles les recouvrent ensuite de sable et montent la garde jusqu'à l'éclosion qui a lieu une centaine de jours plus tard. Les œufs et les bébés crocodiles sont une des proies préférées des serpents. La température du nid décide si tous les bébés seront des mâles ou des femelles. En sortant de l'œuf, les petits crocodiles poussent des cris aigus. Ils percent leur coquille à l'aide d'une petite dent spécifique, qui tombera peu de temps après leur éclosion. À ce signal, la mère vient les délivrer du sable. Elle les dépose ensuite dans une poche située au fond de sa gueule et, les mâchoires à demi fermées, les descend un à un vers la rivière. Une fois son travail acheminé, elle abandonne ses petits qui sont alors à la merci de nombreux prédateurs. Seuls environ 5% des bébés survivront. Les crocodiles sont de redoutables prédateurs des eaux. Certains attrapent de larges proies avec leurs larges mâchoires, d'autres sont spécialisés dans la pêche et ont une mâchoire étroite, comme celle du gavial du Gange. Ils se nourrissent aussi de cadavres trouvés sur les berges. Ils peuvent ensuite se passer de nourriture pendant de longs mois et attendre patiemment que les animaux traversent le fleuve durant leur migration. Si la proie attrapée est petite, il l'avale d'un seul morceau. Par contre, si celle-ci est grande, comme un gnou ou une antilope, ou bien une carcasse d'hippopotame, le crocodile mord, puis effectue des rotations sur lui-même pour détacher des morceaux. Il ne possède pas d'incisive qui lui permettrait de découper ses victimes. Ils ne possèdent pas de molaires non plus, ils ne mâchent pas, mais gobent, laissant le soin à leur estomac surpuissant de tout digérer, y compris les os et la peau. En surface, leurs yeux situés en haut de leur tête leur permettent de voir sans être vus. Les crocodiles ont une très bonne vision nocturne. Seuls leurs yeux et une partie de leur gueule dépassent de l'eau. Leurs yeux possèdent une membrane transparente qui se referme lorsqu'ils plongent. Mais la vue n'est pas leur seul sens développé. Ils sont aussi très sensibles aux vibrations dans l'eau. En fait, il est même possible d'être invisible aux crocodiles en nageant sans faire de bruit et sans faire de vibrations. Mais dès que l'eau est troublée, le crocodile surgit. Il pense qu'il s'agit d'une proie qui se débat dans l'eau. Les crocodiles sont les rois du camouflage. Dans l'eau, ils se camouflent avec les herbes, on ne voit que leur tête.
Il n'aime pas les vagues et le soleil, il préfère les eaux calmes et sombres. Le crocodile ne possède qu'un seul prédateur, l'homme, qui le chasse principalement pour obtenir son cuir, parfois pour le manger. En Inde, les hommes ont presque exterminé les crocodiles, car ceux-ci privaient les pêcheurs d'une partie des poissons des fleuves. Pourtant, les crocodiles mangeaient aussi les loutres, qui sont des mangeurs de poissons bien plus voraces. En tuant les crocodiles pour avoir plus de poissons, les hommes ont en fait favorisé le développement des loutres et eurent au final encore moins de poissons. Les équilibres écologiques sont complexes et l'intervention de l'homme fait souvent empirer les choses. Maintenant, des efforts sont faits pour sauver les crocodiles d'Inde. En tant que grands prédateurs, les crocodiles ont un rôle clé dans le maintien de la stabilité de la chaîne alimentaire en participant au recyclage des substances nutritives. Capables de creuser des flaques en période sèche, ils créent de petits habitats non négligeables pour de nombreuses espèces animales et maintiennent ouverts des canaux amenant l'eau dans les marais. Les crocodiles sont aussi des nettoyeurs. Leur rôle de charognard, à l'occasion, peut avoir une importance considérable en cas d'épidémie, surtout pour les poissons, qu'ils protègent aussi en assurant la régulation des populations de leurs prédateurs, loutres et poissons ichtyophages. De plus, à Madagascar, on a noté une recrudescence de rage canine après le massacre des grands reptiles qui se nourrissaient de chiens malades. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.